Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Dans la collection des tutos Easy, les tutos qui sont super faciles à réaliser. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser l'effet dentelle. Dans des précédentes vidéos, je vous avais montré comment réaliser l'effet cuir et l'effet jean qui étaient tout aussi simples. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire l'effet dentelle. Et c'est vraiment tout aussi simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, comme pour l'effet cuir ou l'effet jean, il y a plusieurs possibilités. C'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Donc, vous pouvez utiliser tout simplement les plaques de texture effet dentelle. Mais personnellement, moi, je les aime pas forcément. Je trouve pas ça super sympa. Et en plus de ça, on a que deux modèles possibles. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Alors, c'est pas cool. Bah, je vais vous montrer une autre astuce, une autre façon de faire. Et pour ça, je vais tout simplement utiliser de la dentelle, du tissu dentelle ou bien un leurre, des rubans en dentelle. Il y a plusieurs modèles différents, donc là vraiment on a le choix du roi comme on dit. On peut faire vraiment plein de choses. Donc pour ça, vous allez utiliser la pâte de la couleur de votre choix, parce que finalement, de la dentelle, maintenant, c'est comme l'effet jean ou l'effet cuir, il en existe de plusieurs couleurs différentes, donc on utilise la couleur que l'on souhaite. Donc là, moi, je suis restée dans les couleurs basiques, le blanc. Voilà, donc on vient l'étaler. Moi, je préfère l'étaler à une épaisseur assez épaisse, mais après, on fait comme on veut, bien évidemment. Et tout simplement, on va venir poser notre dentelle sur la pâte et passer un petit coup de rouleau, tout simplement. Voilà, rien de compliqué. Et donc voilà le joli petit effet qu'on obtient. Donc si on souhaite par-dessus, on peut aussi passer un petit coup de pigment, de perlex ou de ce que vous voulez pour faire ressortir encore plus l'effet dentelle. C'est un choix, on fait comme on veut. Voilà. Et puis voilà, le tour est joué. C'était tout simple, tout con. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire, entre guillemets, un effet napperon aussi, avec le tissu en dentelle. Comme ce que je suis en train de faire pour cette petite barrette avec les petites mignardises que j'avais fait il y a quelques temps. Et donc voilà, ce tuto est maintenant déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé, si ça vous a plu, si ça vous intéresse. Ou... Enfin bref, dites-moi tout quoi, comme d'habitude. Moi je suis preneuse de tous vos arguments, donc il n'y a pas de souci. Dites-moi tout. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros poutous et je vous retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.